La famille royale et le personnel royal seraient préoccupés par les détails que le prince Harry fournira sur son expérience au sein du cabinet pour justifier une prétendue avance de 20 millions de dollars sur ses mémoires. La famille royale a reçu plusieurs coups depuis le départ du prince Harry et de Meghan Markle après que le couple a fait une série de déclarations explosives sur leur expérience en tant que membre de la famille royale. Le commentateur royal Nick Bullen a affirmé que le cabinet et la plupart des membres du personnel sont maintenant préoccupés par les révélations potentielles que le duc de Sussex pourrait faire dans ses prochains mémoires après avoir reçu une avance de 20 millions de dollars pour le livre. Monsieur Bullen, le fondateur de True Royalty TV, a déclaré que le prince Harry devait désormais donner un bon aperçu de la famille royale pour apaiser ses éditeurs. S'adressant à Royally US, M. Bullen a déclaré « L'histoire a prouvé jusqu'à présent que des conversations privées ont été divulguées. Des informations qui auraient dû rester au sein de la famille ont, d'une manière ou d'une autre, trouvé leur chemin dans les médias. Ce qui doit concerner non seulement la famille royale, mais tous ceux qui travaillent dans la maison royale, c'est ce qui va être dans ce livre. » S'il est vrai que Harry a été payé 20 millions de dollars pour le livre, alors les éditeurs voudront de très bonnes choses. Monsieur Bullen a déclaré qu'un invité récent de l'une des principales émissions de sa chaîne, The Royal Beat, a noté que l'avance obtenue par le prince Harry était sans précédent dans l'histoire des livres royaux. Il a poursuivi. Nous avons récemment eu l'une des principaux agents littéraires de Grande-Bretagne dans l'émission, un gars appelé Andrew Loney, qui a parlé du fait qu'une avance de 20 millions de dollars est sans précédent, bien plus importante que n'importe quel autre membre de la famille royale pour un livre. Cela devra livrer et la famille, j'en suis sûr, est concernée. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.